Welcome to GT3, the pinnacle of grand touring racing. You'll start out in one of several regional series and race to earn yourself a seat in the GT3 Euro Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 10 finishers, and a bonus point is scored for setting the fastest qualifying time. There's a mandatory pit stop during the main race. The pit lane is always open for repairs and tire changes, but no refueling is allowed during races. Time to get in your car. Ça y est, nous y sommes. Vous l'avez certainement vu sur la miniature de la vidéo, même dans le titre, le championnat GT3. Et la monture qui nous attend pour la suite de cette carrière Project Cars, c'est la Roof CTR3 GT3. On va enfin tâter du lourd, les amis. On aura attendu du temps, longtemps, avant d'arriver à ce stade-ci de la carrière. On a passé les grosses étapes et on peut maintenant aller sur des circuits d'hommes avec des voitures d'hommes, et on va enfin pouvoir s'attaquer à des divisions plus importantes. Alors je vais être franc avec vous, j'ai eu des divisions autres qui se sont proposées à moi, notamment la Formule B, mais je ne me sentais pas encore prêt à passer le pas et à sauter le pas, surtout, c'est plutôt ça l'expression, pour déjà monter en GT2 ou en Formule B. Donc la division que beaucoup attendaient, la voici, le GT3, avec bien sûr une Rough comme voiture. Ça va envoyer du lourd, c'est plus agréable au niveau du son et au niveau visuel. Et vous l'avez certainement reconnu à ce légendaire virage qu'est le Corkscrew. Nous sommes à Laguna Seca pour la première manche de ce championnat américain. Alors oui, on va participer à un championnat américain avant d'accéder au championnat d'Europe et certainement aux pistes telles que Monza, Francorchamps et autres. Donc on va faire un petit peu le tour de l'Amérique. Et voilà, vous avez vu le tour du circuit, c'est comme c'est bien fait. Et on se retrouve directement pour la qualification. Et c'est parti pour la qualification 1 de ce championnat. Vous avez découvert les nouvelles règles, pas de fondamentaux changements par rapport à ce qu'on avait en GT4. Si ce n'est que ça risque d'être un peu plus musclé et que les voitures vont être un peu plus fun à piloter. J'espère que ça va être aussi un peu plus fun à commenter. Déjà, on est sur des circuits plus sympas. Déjà, Laguna Seca, c'est autre chose qu'au Churchleben. Même si j'aime beaucoup, on risque de le retrouver dans pas longtemps d'ailleurs au Churchleben, au passage. Allez, on va se lancer pour corriger ce 10e chrono et essayer d'aller glaner au moins une première ligne. On a bien réchauffé les pneus et là on a une piste bien dégagée. Verdict du second secteur avant le corkscrew. Et 6 dixièmes de nouveau. On va essayer de faire ça bien. Alors qu'il y a du. Ouais, il y a de la frigolite qui a volé au niveau du corkscrew. Attention, parce qu'ici c'est un virage qui ne paie pas de mine mais qui est très compliqué. Vous êtes très vite envoyé vers l'extérieur. Avec le délestage et les rebonds de la voiture, vous êtes très vite au-delà du vibreur. Et vous allez goûter non pas ici, soit de l'astroteur, soit du tarmac, mais bien directement du sable. Allez, on relance après ce dernier gauche et on va aller faire la pole de nouveau provisoire. On améliore d'une seconde deux. C'est vrai qu'on n'était pas en confiance, c'est les premiers tours de roue avec cette voiture. Allez, on va rentrer encore une fois un chrono pour tenter de battre ce fameux Klassen. Circuit américain préféré.
et que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment la... En fait, j'aime vraiment la monoplace sur ce tracé. Vraiment nostalgique du championnat carte, par exemple. Le petit cousin de l'IndyCar qui a disparu maintenant. Et on est pas mal, là, on est vraiment pas mal. J'ai pas vu l'écart, mais on est en amélioration pour aller peut-être reprendre cette pole qui nous a été happée à plusieurs reprises depuis le début de la séance qualificative. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Oui, c'est la pole et la séance est terminée. À l'instant, on est pour l'instant détenteur de la pole. Est-ce que ça va tenir? Eh bien oui, on est en pole pour pas grand-chose finalement. Allez, peut-être 8 dixièmes sur Åke Klassen avec la Z4 GT3. Et on poursuit avec la seconde séance de qualification de ce week-end de Laguna Seca. Alors que le feu vert vient d'être présenté en bout de ligne droite... On peut se dire quand même que les conditions nuageuses fortes laissent présager peut-être de quelques gouttes dans cette deuxième séance. Et comme on a eu du mal tout à l'heure de s'extirper pour aller chercher eh bien, la pole, peut-être que cette fois-ci il va falloir redoubler d'adresse pour aller chercher un bon résultat. En tout cas, on va essayer de vous mettre une deuxième séance qualificative plus courte que la première, qui aura duré un peu plus longtemps. Déjà que les courses vont être peut-être un peu plus longues, je ne sais pas, j'ai changé un petit paramètre, mais pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on peut terminer ce chrono un peu mieux que tout à l'heure? Pour l'instant, c'est la pole, on va enchaîner avec un deuxième tour pour être sûr. Et on est vraiment à l'aise sur les freins. Ah, je sens que cette saison va être bonne. On a, je pense que le chat noir est resté dans la stone. Et qu'avec cette roue, on va faire de belles choses ensemble, les amis. Le GT3, vraiment, c'était le manque de puissance et d'agressivité qu'on avait dans la GT4 qui eh bien, est comblée dans cette division. Et c'est vraiment, vraiment fun. Et puis, c'est une division qui vous plaît aussi, visiblement. Du moins, c'est ce qui se passe quand eh bien, j'en commente. Ne va peut-être plus arriver tout de suite. Et au cumul des deux secteurs, je suis toujours assez rapide. J'ai perdu du temps dans le premier secteur, mais dans le deuxième, j'en gagne. Alors, on va voir sur le cumul de la tour si on peut améliorer. Attention, on est toujours proche ici d'aller mettre plus que deux roues dans l'herbe. Et c'est Polika. J'ai un coup de Polika. Vient de glaner la deuxième place, un pilote qu'on n'a pas encore vu, et là ça va être de trop et on va perdre tout ce qu'on a gagné malheureusement. Et on va en terminer là pour cette deuxième séance qualificative, alors qu'on améliore malgré tout de 4 dixièmes avec la petite faute enfin de secteur. Championnat d'Amérique de GT3 est lancé avec les feux rouges qui viennent de s'éteindre ici à Laguna Seca. On est parti pour la première manche sprint. Et c'est une Z4 qui vire en tête au premier virage. Oh, et on se fait bousculer. On se fait bousculer par une Aston Martin. Et bien évidemment, tout le monde en profite hein, pour s'engouffrer. Alors, on est avec une McLaren de chez Xis Racing. Pour l'instant est quatrième. Ah, on s'est fait enfermer dans ce départ. On va voir si on peut bien se battre d'ici l'arrivée pour revenir aux avant-postes. Alors, l'avantage de ce circuit, c'est que ça ne manque pas d'occasion de dépassement. Entre le corkscrew et le dernier et le premier freinage, on a de quoi aller attaquer. Pour l'instant, je pense que si ma vue ne m'a pas fait défaut, on est première rough. C'est une Z4 qui m'aime devant deux R8 et une McLaren. Et là, on est sous la menace d'une de nos consoeurs. Oh, corkscrew, et il plonge. Mais c'est des malades.
Ces gens sont des fous. Allez. On a pu contenir la ronfle, mais on a été décroché des hommes de tête. Attention à ne pas se faire non plus avaler. Parce que là, on a peu de temps pour réagir. Alors la modification du temps de course n'a pas affecté le nombre de tours. Je dois peut-être l'augmenter encore. Je vais voir ça pour le futur. Et la deuxième manche, en tout cas ici on est à mi-course alors que il y a limite le brouillard qui arrive sur Laguna Seca. Donc on était parti sous un beau soleil. C'est dommage parce qu'on a le rythme pour aller attaquer cette McLaren. Alors est-ce qu'on va se contenter de la top 5 alors qu'on avait fait la pole? Ce serait un bien maigre butin pour la première manche du championnat. Il va limite pleuvoir, c'est pas possible. Quel changement de condition. Course qui nous aura surpris, hein. On s'est fait avoir, alors attention, on est de nouveau accroché dans le gravier. Et ouais, on n'est pas si à l'aise que ça avec cette ronfle. Mais il pleut, c'est vraiment, on dirait une tempête de sable. Assez bizarre ce filtre sépia. Alors, on est en grosse difficulté. Ah, en fait, je me réjouis, mais là, on est en train de se faire un peu embarquer par le peloton. Il faudra corriger ça pour la deuxième course. Ah, attention, il n'y a que 3 épreuves je crois au championnat. Ça fait 6 courses, il faudra pas non plus trop demander de répit. Je vais allumer les phares, ce qui fait très sombre. Et on conclut donc la première manche de ce championnat de GT3 américain au 5e rang donc, ce qui n'est pas ce qu'on avait espéré, mais bon, c'est un début. Et c'est parti pour la deuxième manche avec un meilleur départ pour l'Audi numéro 19 de Widhawk. Alors nous on va essayer de nouveau faire un podium évidemment. Eh, on n'a pas pu se défendre là. Et on est un peu en déficit comparé à l'Audi. Est-ce qu'on peut porter une attaque à l'intérieur? On est passé, oh, un petit peu dans l'herbe, mais ça passe. L'Audi est toujours très présente dans les rétros. Attention, les pneus sont pas encore peut-être à la meilleure température. On resserre un peu le volant. Il y a tendance à se barrer un petit peu en ce moment. Allez, on passe le gauche. Pour l'instant, on tient à tête. Je rappelle qu'il y aura 6 tours, puisqu'avec la petite modification, ça rallonge un petit peu certaines courses, vu que c'est du GT3 et que ça va beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a une attaque à l'intérieur? Oui, l'Audi qui a plongé au corkscrew pour reprendre le commandement de la course. Belle manœuvre de Widhawk avec la 19. Alors ici, on est toujours en difficulté. Et le soleil qui tombe tout doucement sur Laguna Seca. On espère qu'il va disparaître parce qu'il devient vraiment dérangeant. Voilà, dans les lignes droites. Un petit peu au large ici sur l'AstroTurf et on complète le premier des 6 tours de cette manche endurance. Alors est-ce qu'on peut aller porter une attaque sur cette Audi? Pour l'instant on n'est pas en état de se montrer plus pressant. Mais on ressort bien. Ici en deuxième c'était pas l'idéal. Et on est côte à côte. Et on prend l'avantage avec cette roue dans cette deuxième manche. Et ce serait bien de repartir avec au moins une victoire après avoir fait les deux pôles. Ah, et le sous-virage au niveau des pneus ici. Ouf ! Et l'Audi qui a totalement plongé pour reprendre le commandement. Quelle bagarre ! Oui, la BM qui va faire pareil derrière et il nous touche. On est touché. Et la BMW qui très agressivement va reprendre la deuxième place. Et là on ne peut rien faire face à Polika. Alors il y a peut-être une solution, mais elle est vraiment radicale. Ce serait de stopper maintenant, ce qu'on ne va pas faire.
va aller chercher la BM et on la touche évidemment au freinage. On ne sait pas faire sans évidemment. Il y a eu du grabuge au freinage, on a porté l'attaque, mais bon, ils sont chauds aussi les garçons. Hein. S'il faut faire ça pour se défendre, on le fera. Mais l'agressivité de ce peloton de GT3 est assez impressionnante. Et maintenant c'est Lodi qui en a profité avec Widow qui vient de prendre la tête. Ce serait bien qu'on soit proche de lui au niveau des arrêts. On pourrait peut-être faire la différence avec un bon stop. Et visiblement j'ai opté pour une équipe qui a un petit peu d'expérience en GT3. Donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis au niveau des arrêts au stand. Du moins c'est ce pourquoi je prie. On a eu assez d'emmerdes avec les équipes précédentes, notamment avec cette saison en Aston Martin absolument catastrophique. Alors, est-ce qu'on peut stopper en même temps que l'Audi? Alors ici voilà, c'est le soleil maintenant qui va nous quitter. Il va petit à petit faire un petit peu plus sombre sur Laguna Seca. Voilà, ça c'est ce que je voulais faire tout à l'heure en freinant. Sauf qu'il y avait la Z4. En tout cas, le leader ne stoppe pas, nous non plus. Et on est les plus rapides en piste. Alors il faut aller chercher cette victoire. On a encore du temps. Il reste 3 tours, un peu moins de 3 tours et un pit stop à faire. Pour avoir toutes les chances de notre côté, il faudrait rentrer premier dans cette voie des stands. Alors qu'il va presque faire nuit. Pour l'arrivée, le ciel est magnifique. Oh, et on plonge! On plonge, est-ce que ça a passé? Oui, on a pris la tête. Oh, le freinage là a été très osé. Mais c'est passé. Oh, et là on est très large, ça passe, on reste sur le vibreur, on est bien pour remporter cette course. Il faut absolument éviter que cette Audi plonge au corkscrew, on va fermer l'intérieur. Oh, il y va tout de même, et il replonge, mais il coupe complètement la piste. Ah là là, ça c'est pas normal. Une Audi qui ne respecte pas le règlement, et nous ça nous emmène dans les graviers. Et il va bien sûr rentrer au stand maintenant. Non, alors c'est l'occasion. À nous de plonger. Et de faire ce qu'il faut. Allez, on est prêt. Et il faut essayer à tout prix de ressortir un peu mieux que cette Audi. Et faire un beau tour de sortie. Pour essayer d'aller gagner cette deuxième course du week-end. Et Polika qui rentre aussi. Ça c'est pas mal au niveau du classement. Vous voyez la BMW qui vient de stopper. Et on va normalement repartir devant tous ces gens là. Donc on est techniquement peut-être 3-4ème. On est déjà 3ème. Donc au moins on aura un podium à l'arrivée. Ça c'est déjà une certitude. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à tenir nos adversaires directs? Oh, et le freinage ici qui est difficile, encore une fois, allez à la relance. Ah là là, cette voiture qui s'ouvre terriblement. Et on ressort derrière la roue de Ami Evra. Non, pas du tout. Ah, il y a de l'explication, la roue qui tente de passer. Mais il n'y a pas la place, malheureusement, pour elle nous attaquer. On est troisième derrière Steven Barnes. Mais je pense que tout cela est bien anecdotique avec les prochains arrêts. Et il faut protéger un maximum notre position. À moins qu'on se fasse encore voler au corkscrew. Ça c'est hallucinant que l'IA se permette de couper à ce niveau là. Vraiment très impressionnant. Allez, on freine très tard. Histoire de se protéger un maximum. Et on est sous les phares de nos adversaires directs. En troisième ici, et oui, les températures des pneus qui ne sont peut-être plus les bonnes. Évidemment, avec la perte de température de la piste, ça glisse un peu plus. Normalement, il doit y avoir une voiture au stand. La voici à gauche, celle de Widow.
Et il y a un autre pilote qui lui ressort déjà. Est-ce qu'on va aller chercher la tête? La réponse, d'ici quelques hectomètres, ça semble difficile d'aller chercher la voiture de devant. Si on freine bien, il y a peut-être une chance qu'on ne ressorte pas loin dans ce dernier tour. Et malheureusement non. Et c'est Withoke qui semble être devant et qui va peut-être remporter cette deuxième course avec l'Audi numéro 19. Et on attaque plus que de raison. Attention, je joue un jeu dangereux. Et malheureusement, oui, Mark Withoke qui devrait remporter la deuxième course de ce week-end. Alors qu'on avait fait les deux pôles, on repartira avec, avec un maigre butin. Ouf, et là je me suis complètement loupé. Alors piste de coupée, c'est pas un profit monstrueux. Hein. Là j'ai rien gagné, j'ai même perdu. Le corkscrew, toujours aussi difficile à aborder. Et il va nous manquer peu de choses dans cette deuxième manche pour aller chercher la victoire. On se contentera d'une deuxième place dans ce premier week-end du championnat américain de GT3. Et voilà le drapeau à damier qui s'abaisse maintenant pour la victoire de Mark Withoke. Et nous, eh bien, on prend la deuxième place avec notre roof. C'est plutôt pas mal. Et voilà, donc on va voir un petit peu le classement avec 18 points. On est le plus rapide en piste, je crois. Oui, voilà, donc on prend pas mal de points, on a les deux pôles et le plus rapide en deuxième manche. On va faire le total au niveau des points. Et on est deuxième à 13 points déjà derrière Mark Withoke. Ça aurait été une toute autre histoire si l'on remportait la deuxième manche. En tout cas, voilà pour ce premier week-end de cette saison GT3 américaine. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures aux États-Unis. Salut les amis.